Merci beaucoup, Madame Hakkari. La parole à Madame Simonet. Oui, mes chers collègues, la Seine est un fleuve symbole de Paris, trame verte et bleue et même blanche pour la ventilation. Elle joue un rôle essentiel dans l'adaptation de la ville au dérèglement climatique. T'en souviens-tu la Seine ? Chantait Anne Sylvestre. Des projets aberrants ont failli voir le jour. Projet de ponts centre commerciaux au-dessus de la Seine, projet de bétonisation devant la maison de la radio ou la place Mazas. D'autres, hélas, se poursuivent et des luttes se poursuivent, je pense à l'île Seguin. Dans ce rapport, je voudrais vraiment exprimer ma fierté de la reconnaissance de la légitimité du combat contre la centrale à béton Lafarge et sa reconstruction, son extension. J'avais été la première à porter cette bataille dans cette assemblée. Et finalement, quand on lit le rapport, vous avez donc un mandat de retard. Un mandat de retard. Qu'est-il dit en proposition numéro 17 ? Ne plus autoriser de nouvelles installations ou extensions des emprises au sol des centrales à béton. Étendre vers une baisse globale de la production et de l'utilisation du béton. Jean-Louis Missika a donc perdu la bataille. Mais je vois que Maria Hakkari continue à défendre une certaine part de sa logique. Quelles conséquences cette proposition numéro 17 aura sur le terrain sur la question de la centrale à béton Lafarge de Javel ? Aucune. Voilà l'hypocrisie de l'état de ce rapport. Ensuite, ce qu'il n'y a pas dans ce rapport, il faudrait absolument, hors zone actuelle d'activité et d'activité portuaire existante, classer en zone urbaine verte les berges de Seine basses et hautes dans le futur PLU bioclimatique. Or, là, visiblement, aucun consensus. Et donc, on est sur des grandes généralités sur le verdissement autour de la Seine, sans prendre d'engagement concret. Je terminerai en disant que la Seine, c'est aussi l'habitat des poissons. Et donc, je continue à me battre pour interdire la pêche, puisque consommer ou vendre le poisson est d'ores et déjà interdit. Et petite information, je voudrais vraiment remercier l'ensemble de cette assemblée, car la ville m'a accordé la protection fonctionnelle pour trois procès que j'ai eus contre un harcèlement d'injures sexistes et menaces sur les réseaux sociaux. Eh bien, sachez que ces trois procès ont été gagnés. Je vous remercie. Merci.